Bienvenue sur la chaîne Titi et Sissi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de slime. Mais si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur j'aime. Alors, on a pris ce slime. On va vous montrer plein. Donc, c'est slime do it yourself. Et dedans, tu nous présentes ce que c'est? C'est un slime. Là, on a plusieurs types. Là, on a un bottom. Là, on a un... En fait, c'est du slime, c'est une collection avec différents parfums. Tu peux en avoir senteur popcorn, framboise, fraise, chewing-gum, encore à la fraise et au chocolat. Donc là, nous, celui qu'on a choisi, c'est le slime à la framboise. Donc on va vous montrer. Non, c'est à la fraise. Pardon, elle a raison. C'est un slime à la fraise. Alors Titi, on te laisse l'ouvrir. Oui. On a juste ce petit lait tout minuscule. Il est juste sorti de la boîte. Alors, quand on ouvre? Quand on ouvre. Je t'aime, je t'aime. Alors, c'est une petite boîte, dessus il y a une vache, donc ça va être du lait à la fraise. On va tenter de l'ouvrir. Yum, yum. Quand on l'ouvre, donc il y a le couvercle. Des petites perles pour le slime. Et la poudre pour faire le slime. On a besoin de que ça. Et ça, c'est la notice. Ah. Il n'y a besoin que ça. Bah oui, apparemment. Je crois qu'il doit avoir un trait. Dans la boîte, il y a un trait pour indiquer le niveau de l'eau, je pense. Mais bon, je vais vérifier. Je le vois, le trait. Alors, je suis partie prendre un verre d'eau pour pouvoir remplir le récipient. Ce que l'on va faire, et j'ai pris aussi des ciseaux. Donc, c'est la poudre. Vous voyez, elle est rose. On va, hop là, ouvrir le sachet. Et je vais laisser Tiana verser le contenu du sachet dans la boîte. Ça y est. Tu sens l'odeur? Ça sent quoi? La fraise. C'est vrai que ça sent la fraise, mais ça sent très fort. Très très fort. Donc ensuite, donc ça y est, on a versé, étape 1, verser la poudre dans le pot. Et ensuite, il y a le niveau. Est-ce que tu vois le niveau qui est ici? Oui. Donc tu vas devoir, hop là, tu vois le niveau, tu vas devoir remplir le pot d'eau jusqu'au trait. Concentration. Stop. Voilà. Donc là, Titi a rempli jusqu'au trait, on vous montre. Et ensuite, il va falloir refermer le pot. Je peux voir l'intérieur? Ça sent la, le plastique dedans. Et là, ça va être l'étape. On va essayer de ne pas en mettre de partout. Tu peux faire ça. Non, c'est ça, c'est ça. Et là, on doit secouer pendant 30 secondes. Je fais, toi, tu comptes jusqu'à 30, d'accord? Oui. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. C'est pas jusqu'à 30 qu'il fallait écouter? Vas-y. Plus vite. Tu mènes? Allez Titi, allez Titi, allez, allez Titi, allez Titi, allez. Voilà, donc on a bien secoué normalement pendant 30 secondes. Par contre, je trouve que c'est encore très liquide. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Mais on va voir si on pourra mettre ça tout de suite. Et ensuite, ils nous disent, après avoir secoué pendant 30 secondes, on doit laisser reposer pendant 5 minutes. Donc, on va ouvrir, on va vous montrer ce que, à quoi ça ressemble. Oh, ça... Ah oui. Tu t'avais dit, ça a l'air de coller partout. C'est... Alors, si vous pouvez voir... Tu sais... c'est vrai que c'est déjà prêt. Bah, j'aime pas cette sensation. C'est,
c'est déjà prêt. Donc c'est bon, vous voyez, ça coule pas quand on le retourne. J'essaie de vous montrer. Hop là, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu gluant. Ouais. Gluant et moi, je peux juste prendre un mouchoir. Oui. Je peux prendre un mouchoir quand même. Oui. Donc on va attendre 5 minutes. Donc on va patienter et on se retrouve au bout des 5 minutes. A tout de suite. Et en attendant, si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à liker, à nous dire si tu as déjà fait du slime, à quel parfum c'était, et si tu as déjà testé ce slime aussi, qu'est-ce que tu en as pensé. Voilà. On fait des gros bisous, à tout de suite. C'est vrai que ça sent la fraise. Graisse. Bon, on se retrouve, le minuteur est terminé. Alexa, stop. Donc là, on va aérer la pâte. Tu peux y aller, Titi. Oh, quand même, c'est déjà bien. Fais voir comment c'est. Essaye de sortir pour montrer. Voilà. Tu peux essayer de la prendre en main. Pour montrer un peu. Alors. Et on va rajouter... Hop là. On va rajouter les paillettes. C'est pas des paillettes, ce sont des perles, elles sont grosses. Faut quand même laisser aérer les papiers. Regarde. Faut la laisser encore sécher. Encore un peu, tu vas mettre les perles maintenant ou tout à l'heure? Tout de suite. Alors, vas-y, ouvre, étale-la comme ça. Essaye de l'étaler comme ça, de l'ouvrir. Je l'ouvre. Fais comme ça pour voir. Voilà. Tu montres? Elle sent bon? Qu'est-ce que t'en penses? Ça sent la fraise, ça sent bon. Mais elle colle encore un petit peu au doigt. Donc on va rajouter les perles et je pense qu'il faudra la laisser sécher encore un petit peu. Tu ouvres doucement au-dessus de la table. Rajouter, vas-y. Encore un peu. Au milieu, vas-y. Remets-la en tas. Elle en a plein les doigts. Non, mets-la en boule comme ça. Ouvre. Attention, on va essayer de mettre les perles. Oups, vas-y. Ah, vas-y, tu peux faire. C'est pas bien. Tu montres à la caméra au fur et à mesure. Regardez. Ça donne ça. Avec des perles à l'intérieur. Ça donne très bien. Ah, j'ai compris, lui qui était sur la boîte. C'était le nôtre. Oui. Hop là, je vais essayer. Mets-toi sur la table. Je vais zoomer pour bien vous montrer. La vidéo est terminée. On espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo de slime. En tout cas, j'ai l'impression que Tiana a apprécié. T'as aimé ou bof? Trop bien. Donc elle a du slime, elle a du slime plein les doigts. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la remettre dans la boîte, on va la laisser prendre l'air un petit peu et puis bah, elle pourra continuer de s'amuser avec dans les prochains jours. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, comme c'est pour me dire ce que vous en avez pensé. On vous fait des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous mets des indications juste là. Si on me voit, ça, mon regard, ça part direct.